Jacques, c'est d'abord des hommes et des femmes entrepreneurs qui un jour trouvent que se regrouper pour trouver des moyens professionnels de sourcer leurs salariés et en même temps d'être des acteurs de l'écosystème où ils se trouvent pour aider les plus fragiles à s'insérer, ça fait sens. Et ces gens-là, bah, finalement, se regroupent dans cet acronyme GEC, Groupement d'Employeurs d'Insertion par la Qualification. C'est des gens qui ont aussi à cœur la transmission des savoirs par l'alternance. Et c'est avant tout ça, les GEC. Et puis alors, réseau, parce qu'effectivement, ça a fait école, parce que toutes les régions, quand il y a une bonne idée, finalement, s'en emparent. Et puis, le réseau GEC s'est étendu au niveau national. Aujourd'hui, il est beaucoup plus structuré, encore moins que demain. Mais on voit que le modèle est tellement fort, tellement vertueux, qu'il va prendre une ampleur encore plus importante dans les années qui arrivent et qui accompagnera le plan de relance souhaité après cette période si difficile et plan de relance aussi en soutien des plus fragiles.